October 18, 1992, 5:20 a.m. The end of the world, a Sunday morning. A young woman dies, strangled in a ransacked apartment. She was a heroin addict. She was of service to men. She was beautiful. She was my daughter. Jan, acrobat of the heart. Jan, who walked the high wire, who plunged into the void to fill up on nothing. Jan, the strong. Jan, the fragile. Jan, my difficult darling. You were there in the early morning light. I was not. Despite that day, the sun continues to rise. I watch for it. I wait for the band of light to move across the photographs of that morning. I see the light. It is there. You are not. I feel so cold. Here, my search begins. For meaning, not for certitude. Alone, I walk in absence. I'm looking for you, as I have always looked for you, lost you and found you so many times since the day you were born. Premature, you rushed in. You threw me into turmoil. You impressed me with your urgency to be born, to be alive. Already I could hear you let me go. Let me go, Maman. Were you forewarned that time would be so short? Jan, my impetuous one. As a child, you reinvent games. You toss away the rules. You charge ahead without looking back. We find you on a railway, toddling towards infinity. You leap into the sea alive with jellyfish. You set free the kite I'm holding. No, no, Maman, let it go. It wants to go further. It wants to fly away. Don't hold it back. Don't hold me back, Maman, from my first love. He's a junkie. I want to save him. Let me go. I mourn for you in black and white, in shifting shades of gray, where light and shadow flow together. The white glowing, lit from within, transparent. I'm comfortable here. I live in black and white. I'm in the dark and I try to see. I search for the light within, for reconciliation. In film, black and white often indicate a passage of time past. For me, time stopped with you, my shooting star. I search your final night for messages, signs and scents you might have left behind. I want to pass through the wall that hides your death from me, to hear and see the impossible, to arrive before it is too late. Alone, you braved that night of obscenity, overwhelmed by fear and horror. Alone with him, whom I shall never forgive, the unforgivable, the man who took your life, Jan. My life lost. Your death in my absence, violent and violating,
This assassination of a death cannot be true. You will return tonight or tomorrow. I'm waiting, my also living child. Nothing rests, nothing sleeps inside me. Your last cries resonate. Let me go. Please, let me go. I remember the freshness of your body assassinated, and I weep. War victims, children sacrificed for God and country, die an honorable death. You died in the street, in shame and loathing, victim of an absurd war, a war lost, the war on drugs, which condemns and humiliates its victims while shielding the guilty ones. A day that began like any other. Friday, October the 23rd, around 3 p.m. Two police officers arrive to speak the unspeakable. Are you the mother of your dead daughter? No, I did not go to the morgue. Yet you were there without my knowledge, alone, anonymous, during 5 long days and nights. How did I not die that day? I retraced to your final steps. I looked for you, but you were not there. I must find you. I must look elsewhere, inside myself, around myself, in the landscape of your childhood, in the drift of your days, in our dreams and my memories. I will pass through the darkness, keeping you from me. You will not return. I know that now. You will never return. Tonight or tomorrow. You died on a scream, my beloved. After hearing of your death, a man, compassionate and grieving, offered his sympathy and support. He knew our heartbreak. He lost his daughter the same way. Je l'ai appris évidemment de façon assez brutale parce que justement j'en étais inconscient. Je n'ai pas eu de réaction violente. Je me suis senti complètement désemparé. Évidemment, il y a eu cet effet de choc, de surprise, bien sûr. Mais je me sentais complètement démuni, je comprenais pas pourquoi elle, c'est pas possible, bon. Et bien sûr, très vite, une fois que j'ai pu avoir quelques secours moi-même, je me suis rendu compte finalement que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres parents avaient vécu les mêmes problèmes, des situations analogues. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre le phénomène, finalement, et combattre le sentiment énorme de culpabilité qu'on peut ressentir à ce moment-là. Au moment où je l'ai su, elle était vraiment rendue dans les drogues dures. Donc, son équilibre n'était pas toujours évident. C'était difficile aussi pour moi d'en parler sans trop d'émotivité. Et à chaque fois que l'émotivité s'installe dans un rapport père-fille, dans une situation comme ça, c'est la confidence et la rationalisation de tout ça était difficile finalement. Puis ensuite, ben, tout le problème de confiance. Il y a des objets qui disparaissent de la maison. Puis là, ben, c'est le problème de on est obligé de poser des gestes très fermes, de dire tu me remets les clés et changer les serrures. Et c'est très, très difficile de vivre ces moments-là parce que on se dit ça n'a pas de sens, je suis en train de mettre ma fille dehors, je suis en train de lui interdire la... Je me dis, France, bien sûr, est à la recherche de quelque chose. Hein? Est-ce que quelque part, j'ai pu, par, en, sans, sans,
sans m'en rendre compte, lui imposer certaines valeurs qu'elle n'a pas pu suivre. Elle a décroché quelque part. C'était, j'ai créé de la pression sur elle. Voilà un tas de questions. Moi, je pense que je suis convaincu que ce qui est extrêmement important, c'est que nos enfants se sentent aimés par nous. Et qu'on les conforte dans cet amour. Les enfants qui à l'âge de l'adolescence, ne se confient pas naturellement à leurs parents. Hein? Il faut le comprendre, il faut l'accepter, c'est comme ça. Je veux dire, au moins, sentent ce lien avec nous. Hein? Qui est certainement un lien de sécurité, qui les sécurise, sachant qu'on est là, sachant qu'on ne les condamne pas, sachant qu'on ne les juge pas. Et je me demande si je ne pense pas avoir eu une telle attitude avec France, parce que, il y a quelques années, depuis ce temps, j'ai évolué, j'ai appris aussi. Alors, dans quelle mesure j'ai pu être en cause, par mes attitudes, à la cause de ses problèmes, la cause de, une des causes de son problème, je ne le saurai jamais, quoique j'ai appris à ne plus culpabiliser cela parce que j'ai fait ce que je pensais devoir être fait. Est-ce que vous soupçonniez ou est-ce que vous étiez au courant qu'elle faisait de la prostitution pour faire de l'argent pour sa drogue? Dans les derniers mois, oui, ça a été extrêmement difficile de vivre cette période parce qu'elle avait coupé tout contact avec moi. J'étais obsédé, je la cherchais partout. Je savais qu'elle faisait la rue. À tous les jours, je sortais du bureau et j'allais faire une tournée pour voir si je la percevrais pas sur tout. Pas pour lui faire la morale, pour aller lui dire que je l'aimais. Je veux dire, je souffrais de ne pas pouvoir lui dire parce que c'était les seuls messages que je pouvais lui transmettre. Ça a été très, 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 très difficile. Forgive me, Father, for I have sinned. I have known the agony of helplessness. Guilt consumes me like an abscess. Gone is my youth. Gone, blessed absolution. I remember our evening games on the hazy beaches of Cape Cod. I could still comfort you then, keep at bay the encroaching fog by simply taking your hand in mine. If only I could have offered you God, not the God of fear and punishment, not the one who judges and condemns, not the one who took you from me. No, I do not believe in that God. The one I'm seeking is the God of tolerance and love, the one who helps me wrestle with my hatred of your assassin, who has no right to live. Opposing the death penalty means choosing to respect life, even the life of him who does not deserve it. Opposing the death penalty means not allowing oneself to kill at all times. It means saying no to war, including the war on drugs. Jan, my wild spirit, come back to offer me your forgiveness and receive mine. I could not stop you, nor steer you from harm's way. I would have had to shoulder your pain, to take your place before the ultimate horror. How could I have failed to rescue my most beloved amongst our women? You alone could say to me, Ego te absolvo. Moi, j'ai travaillé en cabinet privé, avec des parents qui étaient des parents privilégiés. C'est clair que mon regard est celui de parents à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnes? Je pense que la première question que se pose un parent, c'est toujours inévitablement où est-ce qu'on s'est trompé. Et
dites-nous où on s'est trompé. Et c'est extrêmement difficile de répondre à une question comme celle-là parce que on essaie, à partir de la tragédie, donc de la toxicomanie, de reconstruire une histoire. Et donc, on donne un sens à certains événements, alors que ces événements-là, on n'avait pas nécessairement au moment où ils se sont passés. D'autre part, il est clair que à des moments donnés, dans certaines familles, on constate des éléments. Il y a eu symbiose, c'est-à-dire un parent était particulièrement près d'un enfant. Un autre parent était plus distant, où la famille était tricotée serrée. Et à un moment donné, on peut penser qu'à l'adolescence, dans un processus de séparation, il y a eu cette façon inadaptée. Mais il y a des millions de familles tricotées serrées. Il y a plusieurs parents qui établissent des rapports symbiotiques avec leurs enfants. Et ce n'est pas ce qu'on appelle un facteur causal. On peut toujours, a posteriori, donner un sens. Mais ici, je donne un séminaire de maîtrise doctorat sur la question de la toxicomanie. Et c'est ce que je répète toujours, toujours à mes étudiants. Les causes de la toxicomanie ne sont pas connues. On peut, à partir d'un cas, dire « cet enfant a dû interpréter cette situation de cette manière-là et peut-être cela est-il un facteur causal ». En général, les personnes mises en cause, c'est-à-dire les jeunes toxicomanes, ne sont pas là pour répondre à cette question-là. C'est les parents qui détricotent et retricotent et que la laine devient toute usée après le 22e tricotage. Et là, à ce moment-là, on peut peut-être dire « bon ». Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Peut-être que là, vous avez fait une erreur. Mais l'erreur n'a aucune commune mesure avec la punition. Et ça, là, c'est l'élément tragique du métier qu'on fait. Peut-être qu'un parent s'est trompé. Tous les parents se sont trompés, y compris avec ceux qui sont devenus normaux. Et en général, dans la fratrie, pour un toxicomane, il y en a 2, 3, 4 qui vont bien. Et en général, si on détricotait le même chandail des autres enfants, on trouverait à 3 ans, 7 ans, 8 ans les mêmes erreurs, les mêmes façons inappropriées que si on avait la science, la connaissance, le recul, on ne traiterait pas ce petit de cette manière. Ça, c'est pas de la causalité. Et c'est impossible d'élever un enfant sans se tromper. I entered your unknown world. I entered the fringe. I spent nights with street workers. I stopped by shelters, Pop's relief van, La Roulotte Anonyme. I saw doctors treating drug addicts without passing judgment. I saw doctors go into the streets to treat them while emergency rooms were turning them away. The streets and direct contact with human suffering and frailty have humanized those who work there, and they, in turn, try to humanize the street while coping with their own doubts and demons. On arrive dans des milieux qui ne nous sont pas nécessairement familiers, avec des gens qui ont des modes de vie qui ne sont pas nécessairement les nôtres, qui ont des valeurs qui sont très différentes des nôtres. Et on arrive là-dedans, puis moi, je suis rentré là-dedans avec mon paquet de préjugés. Et au bout de 3 ans à travailler avec ces gens-là, et à les voir arriver à tous les vendredis après-midi dans des réunions avec leur lot de joie, de peine, de frustration et tout ce qu'on nous raconte, et prendre contact aussi à l'occasion avec ces clients-là, on apprend à connaître des gens, puis à dépasser vraiment là, l'épaisseur des apparences, et aller au fond, puis à comprendre que le pire problème qu'on a, c'est d'abord nos préjugés à nous. I met modern-day saints. You met them also.
You spoke to me about them. Après l'Airbnb, c'est tout, hein. Arrêtez. Moi, je suis travailleuse de rue. Oh non, ça me trompe. Tu veux rien savoir? Non. C'est d'accord. Ok, c'est cool. C'est cool. Ok, salut. Le plus dur, c'est d'être impuissant. Moi, ce que j'ai été confronté au début du travail, c'est l'impuissance. Tu prends un jeune d'un centre d'accueil, il y a un problème médical, tu as un médecin qui est là. Tu le prends, tu y prends un rendez-vous, tu l'amènes au médecin. Dentiste, même chose. L'habillé, c'est la même chose. Mais là, tu arrives sur la rue, tu as le même jeune. Là, tu vois l'autre côté de la médaille que tu n'avais pas vu en centre d'accueil, parce qu'il ne te donne pas toute la vérité. Et là, il est malade. Il consomme, puis il y a de la misère à survivre, ou même à vivre. Mais là, tu lui offres. Tu ne peux pas lui dire, viens, je te prends ça, puis je te donne ça. Tu lui offres ce que tu peux lui offrir. Et là, c'est lui qui a le pouvoir de dire « je le prends ou je le prends pas ». T'as pas de contrôle. Alors, tu le vois se détruire, t'es impuissant, tu peux pas rien faire. Tu peux pas dire « je vais te prendre, je vais te mettre là, puis je vais te protéger ». I knew and loved you day and night when you were a child. Later, I would see you by day and you lived by night. I wanted to enter this living by night, to take back the places of your living and dying, the places where you suffered and were shamed. I wanted to know your wholeness in order to love you wholly, night and day. Yann of light, Yann of shadow, Yann, my most unique. Je pense que le danger m'a tiré. Et puis, l'interdit aussi, tu sais. C'était comme le 1er juin, je pense que j'avais à peu près 11 ans. Et puis ça, t'habitais pas Montréal, toi? Non. T'habitais en province? Dans un petit village. Un petit village. Et puis à 11 ans, dans un petit village, ça avait été facile de trouver. Ouais, ouais. Est-ce que c'est la seule chose que t'as touchée dans ce petit village-là? Ou déjà là, t'as pu lutter à des drogues plus... Ouais, c'était... Ça a été vite... Un désir de goûter plus, c'était les acides à la Saint-Jean-Baptiste, avec quand il y avait des les fêtes. Ouais. Chaque fois qu'il y avait les amis se rassemblaient, c'était comme le parc devant l'église, tout le monde. Je voyais pas l'accrochage intérieur que ça pouvait donner. T'sais. Je me disais, bon, le physique, mais... Je voyais pas le problème moral que ça pouvait apporter, la souffrance mentale. La coke, là, ça a été... J'ai commencé à en faire vite, beaucoup, tu sais. Alors ça, c'était vers l'âge de 17-18 ans, à peu près. 18 ans, j'ai eu ma première thérapie. Te souviens-tu dans quelles circonstances t'as eu envie d'en reprendre? C'était le retour dans le même milieu. C'était... De te retrouver avec les mêmes gens. Oui, les mêmes gens, les mêmes problèmes, les mêmes... Et c'était un milieu qui t'attirait. C'était des gens avec qui tu avais des liens. Et que je m'ennuie. C'est des sensations fortes. Juste le fait, je sais pas... C'était peu rare, ça, pour moi. Mais en même temps, c'était peu rare, je l'ai aussi. C'est comme... C'est fatigant. Quand je suis en voyage, j'y pense pas parce que je vis. Mais par contre, quand je suis arrêtée, avec la routine, l'appartement, trouver un travail, des choses comme ça. Puis moi, trouver un travail, c'est pas du 9 à 5 que je parle, mais c'est plutôt des projets, des... Ouais. Oui, c'est dur, là, quand... Savoir comment passer le temps. Après... C'est fou, c'est les petites choses de la vie que j'arrive plus à déguster. Ou pas que j'arrive plus, que je ne sais plus comment. Parce que je vais trouver comment, mais c'est ça qui est dur. C'est vrai que c'est dans les petites choses, hein. C'est toujours... Ma mère a toujours dit ça. C'est le dicton de ma mère. Dans ta mère, je l'aime beaucoup. Dans les petites choses. Un modèle. Ouais. Moi, c'est grâce à ma famille que je suis... que je désespère pas.
t'aime. Oui. Et tu les aimes. Et actuellement, tu songes aller en désintox. Oui, ça fait longtemps. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à cette désintox? Je la repousse. Ouais. Pourquoi? C'est dur. C'est dur de voir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Parce que, bon, on gèle les émotions. Mm-hmm. Et t'as peur que, une fois désintoxiquée, tes émotions remontent trop fort? J'ai peur de m'ennuyer. T'as peur de t'ennuyer de quoi? Je sais pas, de la dé... C'est comme du... Pas du plaisir, mais c'est du danger, je pense. Ce qui t'angoisse, c'est de manquer le danger. C'est de m'ennuyer. De t'ennuyer. L'ennui. Hein? Ou même, je pense que c'est plutôt de pas se sentir utile, de pas trouver à quoi servir. Est-ce qu'il y a des rêves que tu as? Des choses que tu aimerais faire? Oui. Beaucoup. Ouais. Parle-moi de tes rêves. J'aimerais aider. J'aimerais. Bon, c'est sûr qu'on a tout un peu ce rêve-là pour dire qu'il faudrait pas que les autres passent. Mm-hmm. Mais. Ça va. Prends ton temps. Ouais. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? À aider, oui. Moi-même. Bonne idée, ça. J'aimerais ça me sentir tellement active. Pour plus rien avoir à penser. Pas du passé, mais. Du négatif qui est arrivé. Mm-hmm. C'est fort, la drogue. C'est très méchant. Et puis la preuve, c'est que tu veux te séparer. Ouais. C'est pas un mariage. C'est fini. Ah non, c'est trop dur. Dis-moi là encore que c'est fini. C'est fini. J'espère. Je veux que ce soit fini. Bientôt. Ouais. Bientôt. Oui. À jamais. Je sais. Il faut. Tu te le dois, je pense. Merci. Merci beaucoup. How can I describe the rage and revolt I felt at your death? A raging anger against everything. Including you, against God, and against your father. The loss of a child can shipwreck a couple. The fruit, the object, the very why of our loving disintegrates. Guilt devours and threatens to split us. Every glance exchanged calls forth a rush of memories, a shared desperation. How to recover one's soul? How to learn to be again, free of vengeance, without destroying or mutilating oneself. How to learn to love again without you, Jan, my forever absent. I know a mother
who was able to howl her grief after losing her eldest son to an overdose. The words she found speak to my soul and soothe me. La mort de François. Je dis ces mots sans y croire, car si j'y crois, je recommence à hurler. Je me suis levée ce matin pleine de courage et de détermination. Terminer mon roman me paraît vital, c'est-à-dire nécessaire pour vivre. Est-ce la mère ou l'écrivain qui parle? Ce sont les deux à la fois, réunis dans une même réalité, la vie. Celle que j'essayais de dire, mais avec tant de précautionneuses approches que finalement j'y renonçais. Mais sa mort éventre toutes les réserves polies. Elle tourne la peur en rage. Elle écrabouille toutes les gentillesses. Sa mort est une naissance à rebours qui force mon cri. Elle rentre en moi avec une violence sans nom. Véritable implosion qui fait voler en éclats ce que je ramassais et qui faisait que ma vie ralentissait, s'alourdissait des silences de cette famille si vieille, si nombreuse et si dispersée. Je ne suis plus capable d'écrire. Je voudrais déchirer la langue française, la piétiner, la faire sauter, l'écrabouiller, briser mon stylo dedans, la défoncer, la rendre pareille à moi, impuissante. Plus parler, plus écrire, plus entendre, plus sentir, plus me souvenir. Mourir, c'est de ça que j'ai envie. Mais comment? La mort, ça fait si mal aux autres. 3 years later, a heroin overdose took Christian, Michel's second son. Après les obsèques de papa, Christian m'a dit en m'entourant les épaules, « Je suis maintenant le seul homme qui te reste. » 3 ans d'efforts, de lutte acharnée pour devenir cet homme, pour retrouver son âme d'homme dans son corps magnifique. Voici sa dernière lettre. Ottawa, le 25 octobre 1980. Chère petite maman, comment vas-tu? Pour moi, ça n'a jamais été aussi bien. Je me porte à merveille, je travaille énormément et ça me plaît ainsi. Je n'ai que de bonnes nouvelles à t'apporter. Fantastique, n'est-ce pas? J'ai déménagé pour de bon au 16e étage du Y, le plus tranquille et le plus propre. Je crois passer un bon bout de temps ici, à moins que l'amour ne s'infiltre dans ma vie et que je parte en ménage, au espoir. Je sens que je peux affirmer que je suis heureux. Quelle sensation inconnue d'ailleurs avant. Maman, je t'aime tendrement, ne l'oublie jamais. Je t'aimerai toujours et j'espère que tu seras heureuse toi aussi. Je descendrai probablement chez toi en fin de semaine chercher les choses qui me restent. Je te téléphonerai pour te prévenir. Je t'embrasse fort et je t'adore, ton fils Christian. November 22nd to December 21st, 1993. 9:30 a.m. to 4:30 p.m., 5 days a week, the courthouse, 5th floor. I was here every day, usually with your father. I was not here for the coroner's testimony. That was beyond me. They spoke of a corpse, a body, yours. Your body manhandled, your body humiliated, your body of my body. Jan, my tortured one. On the day of the verdict, on that day, you understand, I could not have come unless I had come armed. I came here to be with you, but you were not here. Each time I heard your name, a knife turned in my womb like a labor in reverse, keeping me pregnant with you forever. The most effective treatment for heroin addiction is maintenance on methadone administered in a controlled environment. In Montreal, only the Jewish General Hospital and L'Hôpital Saint-Luc train future physicians in this program. Qu'on a, c'est de définir la dose du patient et de définir qu'est-ce qui est un état normal. Parce que pour avoir le taux plasmatique, on essaye de
de trouver la dose avec laquelle le patient est confortable pour toute la période de 24 heures. Et finalement, le patient peut, une fois qu'il arrive avec vous, essayer de faire réévaluer son dosage. Et une des choses sur lesquelles vous allez être confronté, c'est d'évaluer qu'est-ce qui est un dosage adéquat, qu'est-ce qui est un état normal pour le patient. Et ça, est-ce que c'est dans la pratique courante des hôpitaux? Est-ce qu'ici, c'était là avant que vous arriviez? Non, c'était pas là. C'était... L'hôpital n'en voulait pas non plus. Finalement, ils ont compris que pour la prochaine génération, il fallait bien que nos étudiants sortent en sachant comment ne pas juger les gens et qu'il y avait tout un segment de la population qui avait besoin d'aide et c'était le rôle du médecin de les aider. Alors, tous les mardis matin, on voit les bénéficiaires du programme d'alternative. Et c'est moi qui supervise les résidents à ce moment-là. Même s'ils ne savent pas très bien comment travailler avec eux, en autant qu'ils les considèrent comme des êtres humains comme tous les autres. Et là, le cas de cette femme-là, c'est pas un cas de toxicomanie. Hein? Si. Oui. Tous. Vous voyez, même vous, vous êtes fait tromper. Ils sont comme les autres. Seulement, ils sont poussés par le diable. Et quand vous parlez de réussite et de succès, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je pense que la définition du succès est quelque chose qui est extrêmement... sur lequel il faut se pencher. Il faut éviter d'avoir comme seule mesure de succès l'abstinence stable et durable, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour les toxicomanes comme médecin, qui permettent d'améliorer leur état de santé, leur bien-être, de prolonger leur vie. Il y a réintégrer dans le marché du travail, le marché de l'éducation. C'est que le succès du traitement est graduel. Il y a plusieurs niveaux de succès. Évidemment, l'abstinence et de devenir professeur à la faculté et de ne pas se piquer, etc., et de donner beaucoup d'argent aux œuvres charitables, c'est un très gros succès. Mais également, c'est un succès de prendre la méthadone et de retrouver son travail et d'aller au travail tous les jours et de ne pas battre ses enfants et de ne pas voler et de ne pas faire le trottoir et ne pas passer les maladies transmises sexuellement, ça aussi c'est un succès. Alors oui, on remplace une maladie pour une autre, mais c'est comme si on remplaçait un petit rhume pour le cancer. C'est comme ça que je l'envisage. Et c'est ça qui m'a dit un jour, il y a quelques années, j'ai téléphoné à Pierre, j'ai dit « Écoute, teach me, enseigne-moi quelque chose, parce que je dois apprendre ça pour l'enseigner. » Ça s'est passé comme ça. Evil is always elsewhere. Drugs are always elsewhere. In the shooting galleries of shabby neighborhoods, in squalid little houses crowding the sidewalks, well removed from our affluence with its trees and gardens. Yet it is here, in an elegant park, where it all began for you, child of extremes. Drugs do not respect class differences. The schoolyards and parks of the wealthy kids make rich pickings for pushers. Outremont, like you, beautiful and difficult, a bastion where our children are supposed to be safe, arrogant, intolerant city marching to empty slogans. City of excellence and accomplishment in the service of a power that crushes rebels and nonconformists like yourself. Why drugs? To escape, perhaps, the ruins of a tired old world where dissidence, risk, and commitment have no place. Since your departure, my research and reflection on drugs have helped me to understand you better and remain with you. I want to share my journey in a film
because we need to smash the hypocritical silence surrounding drug addiction. We often spoke of how you wanted to become like me, a committed filmmaker. I entered film the way one enters a convent, because I had faith. I still believe in a kinder world. I believe in human beings. I believe in you. But now sanctuaries of daring and reflection are being starved out of existence. Maybe that is why drugs exist. To escape the gurus of power, profit, and performance. C'est ça, en 70, ma mère est morte, puis il restait 3 enfants de 9, 11 et 13 ans. Et à 25 ans, j'avais une grosse famille. Celui qui avait à l'époque 13 ans, 17 ans, il est mort d'overdose de morphine. Il y en a un autre qui est en 69, 11 mois avant que ma mère meure, qui est mort lui aussi d'overdose à 21 ans. Il y en a une troisième dans la famille qui a fait le même cheminement, sauf qu'elle n'est pas morte, et aujourd'hui, elle s'en sort. Bon, c'est pas à moi d'en parler, je peux parler plus des deux qui sont morts, elle peut vous en parler. Mon adolescence, moi, je trouve que je ne l'ai pas vécue. J'étais déjà dans merde, dans dope, je me sépare de sa tête, donc j'ai 35 ans, mais je pense pas être encore adulte. À bien des niveaux, je pense être encore... Parce que là, ça fait 10-12 ans que je suis en méthadone, OK? Dizaines d'années. Puis que vraiment le straight, 10 ans. Puis je la prends seulement parce que si je la prends pas, ma prochaine dose, je vais être en sevrage. C'est-à-dire qu'au niveau ici, c'est réglé. Tu sais, je ne vais pas retomber dans l'héroïne dans, si j'avais pas ma méthadone. Mais il y a le sevrage de la méthadone, il est pire que celui de l'héroïne. Le problème de la drogue, depuis 10 ans, on le connaît maintenant, on en parle, mais à l'époque, on le connaissait pas. C'était les premiers cas d'overdose. C'était parmi les filles et les fils de bourgeois et d'artistes. Ils se taisaient. On connaissait toujours un avocat qui pouvait arranger le dossier. Donc, c'était un phénomène peu connu à l'époque. Souvent aussi, les parents se doutaient de rien au début, puis comme c'était des gens fortunés, ils avaient une maison à la campagne, un chalet, alors ils partaient la fin de semaine en disant « mes adolescents sont assez grands ». Et le trafic et tout se passait dans les maisons les fins de semaine quand les parents n'étaient pas là. Avec ces trois jeunes frères et sœurs, je les ai fait le tour des urgences et souvent, j'ai vu les médecins, qui les grands yeux, qui se demandaient, mais c'était quoi? Je veux dire, tout le monde était pris de court, on savait pas ce que c'était. On associait ça beaucoup à la maladie mentale, mais avant qu'on comprenne c'était quoi, ça a pris plusieurs années. Puis il y a eu des enfants qui ont eu le temps de mourir avant qu'on comprenne c'était quoi. L'adolescence, c'est une période où tu es en rupture avec tes parents, tu ne vas pas parler à tes parents de tes amis, de tes chums, de tes expériences, de tes bons coups, de tes mauvais coups. C'est illusoire de penser qu'à cet âge-là, si on est plus ouvert, ils vont être plus ouverts. Il arrive des moments où tu en parles avec eux, c'est certain, mais ils ne veulent pas nous parler. Ils ne veulent pas que les parents soient les confidents. Les parents sont souvent les derniers à apprendre des choses. Alors, on ne peut pas, je pense, compter là-dessus. In 1974, Hélène directed a film on teenagers. It's different for girls. We meet her sister Anne-Marie at age 15. Je pense qu'il y a des êtres qui ont le bonheur plus difficile que d'autres. Et puis, si je prends ces deux frères-là et cette sœur-là, c'était des êtres extrêmement sensibles, fragiles, comment je pourrais dire,
des êtres sensibles ont moins de défense dans la vie. Les choses les atteignent plus facilement, plus profondément. Et puis, pour trouver le bonheur, je pense que c'est plus difficile pour eux. Je veux dire, les héros aussi de ces jeunes-là étaient Jimi Hendrix, Janis Joplin, qui sont morts de ça. C'était pas facile, mais c'était des enfants intelligents, c'était des enfants très allumés, très... Dans d'autres circonstances familiales et sociales, est-ce qu'ils seraient morts? Des fois, je me suis posé la question, une question ridicule, mais en fait, je me suis posée parce que je voulais savoir les raisons. Tu cherches et tu cherches pourquoi c'est arrivé. Maintenant, je me suis dit une chose dont je suis certaine aujourd'hui, que peu importe dans quel milieu ils auraient été des êtres vulnérables, des êtres sensibles qui ont le bonheur difficile, comme je te disais. Moi, j'ai eu un grand sentiment d'échec par rapport à ça. J'ai eu un grand sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir les aider plus que ça. Ils étaient rendus, même si on le savait, le fait de le savoir ne change rien. Je me suis mariée en sortant de portage avec mon premier chum qui était complice dans les vols de banque. Là. On était les deux qui faisaient les hold-up ensemble. Lui, il était l'ami d'un de mes frères. Puis quand mon frère est mort, ben on a comme... Tu sais, on était comme... On se connaissait, puis on se trouvait cute déjà d'avance. Et que ça nous a comme rapprochés. Mais lui, il se piquait, mais moi, je ne me piquais pas. Tu sais, la première année, moi, j'étais là comme l'héroïne, mais dans l'autre sens, là. Tu sais, l'héroïne, la fille, la personne qui voulait l'aider à s'en sortir. Puis je me disais, oh, j'ai deux de mes frères qui sont morts. Lui, il n'en meurera pas, puis je vais l'aider. Puis mais là, je sais bien que c'est de la bullshit, là, tu sais. Oui. De vouloir sauver les autres. Très souvent, dans ces situations-là, ça fait que c'est toi, c'est toi à un moment qui donné. Tombe, tu sais, à un moment donné, c'est... J'étais tellement prédisposée à, bon, tu sais, avec mes parents qui étaient alcooliques, avec mes deux frères héroïnomanes, j'étais déjà prédisposée à tu sais. C'est que c'est moi, à un moment donné, qui est tombée là-dedans. Mais on est tous les deux, finalement, après d'avoir fait de la prison pour les vols de banque, on s'est retrouvés à Portage. Tu sais, je suis restée straight un an. Okay. Parce qu'il fallait que je me rapporte au juge, là, tu sais, à toutes les trois mois. OK, donc c'était un petit peu obligatoire. Oui, oui, oui. Parce que la décision n'était pas venue de toi. Non. C'est pour ça que ça n'a pas marché, je pense. Puis c'est la seule année dans ma vie que j'ai travaillé, dans mes 35 ans que j'ai travaillé pendant un an. Parce que le juge m'avait dit que c'était la seule condition pour... Pour que tu sois libérée. Ouais. Puis ça, j'étais tellement malheureuse de travailler, là, je te jure. Le matin, j'espérais qu'en traversant, que je me fasse frapper par un auto, mais pas trop, assez pour me mettre à l'hôpital un mois, là, une jambe dans le plâtre ou un bras, mais pas assez pour m'handicaper. Non, non, OK. Ça me rendait tellement malheureuse d'aller travailler le matin, faire 19 à 5 pendant 40 ans. Juste cette idée-là, là, je me disais, si un auto peut me frapper, mais je ne vais pas me pitcher devant, mais si il y en a une qui peut me faire cette... Ce cadeau-là, mais tu sais, mais mettre les breaks, mais tu sais pas. Et la méthadone, est-ce que tu l'as continuée à ce moment-là? Je l'ai continuée, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué aussi à l'héroïne. Puis c'est là que j'ai fait deux, trois overdoses, ce que je... Okay. Parce que quand tu sens méthadone, tu sens pas l'héroïne. C'est ça, l'idée, c'est que ça sature, l'héroïne. Okay. Puis quand tu fais de l'héroïne avec la méthadone, tu la sens pas. C'est que moi, je me faisais un hit. Là, je faisais mon hit, là, je le sentais pas. Je disais, ben, je vais en faire un autre. Mais c'est dans mon métabolisme, ça s'accumulait. C'est qu'à un moment donné, je suis tombée, paf, tu sais. Puis j'ai eu un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire. Je jonglais entre l'Asie puis le Mexique. J'allais en Inde, puis je partais là. C'est ce que c'était, tes voyages d'affaires. Aller chercher de la dope, rester là deux semaines,
revenais, puis moto, c'était pour moto financée. OK. Mais à chaque fois, je me disais, je vais partir 2 semaines, je restais là 6 mois, 8 mois, 1 an. Oui, parce que ça te coûtait pas cher, là. Ça me coûtait 3 piastres, 10 grammes d'héroïne au lieu de 400 piastres. Ah. Je suis pas folle. Tu sais, je veux dire, j'aimais le train de vie, j'aimais les Indes, c'est beau. Tu sais, je me suis loué une petite place près sur le bord de la mer à, qu'on appelle Goa. C'est une petite place, Goa, qui est super... Ouais. Que tous les junkies qui sont allés aux Indes connaissent. Puis, mais entre-temps, quand je faisais des sevrages, je m'en allais au Mexique. J'allais kicker mon habit sur la plage au Mexique. Tu sais... OK. Tu sais, quand tu racontes tout ça, bon, les vols de banque, l'Inde, le Mexique, les voyages, tu sais, ça fait penser un petit peu comme dans les vues, tu sais, les Bonnie and Clyde ou les gens qui bougent. Moi, mais je fais une spécification, Bonnie and Clyde, puis moi, c'est que moi, là, mon chum, des fois, quand il en entend parler, il rit encore parce que j'avais des petits fusils jouets, là. Même qu'à un moment donné, il y en a un qu'en sortant, la porte a fermé sur le gun, il a cassé, il a craqué. Je dis, tu sais, c'était comme une vraie comédie. Il a craqué dans la porte de la banque, puis là, c'est là qu'ils ont réalisé que c'était pas un vrai, mais j'avais déjà l'argent, puis on était déjà on our way, tu sais. Ouais. Mais on n'était pas des Bonnie and Clyde, on était vraiment des... Des enfants, au fond. Tu sais, moi, j'aurais jamais pris un vrai gun. Et ton chum, est-ce qu'il prenait un vrai... Non. Lui avait des fois un vrai fusil, mais on n'avait pas de balle. Parce que moi, j'étais anti-violence. J'étais tout ce qui est violence, j'étais vraiment contre ça, tu sais. C'est contradictoire, là, mais pour moi, j'étais pas une personne violente. Je me disais, si je me fais attraper, si ça marche pas le hold-up, OK? Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, je donnais pas une scène de ma peau, anyway. J'étais pitoyable, j'avais rien à perdre. Je me disais, tant pis. Puis si c'est une balle dans la tête, tant mieux, ma misère sera finie. Ça me coûtait cher, mon héroïne, quand j'allais pas chercher moi-même, OK? Parce que c'était des prix de la morphine était 2 fois moins chère. La morphine, moi, j'en veux pas de ça. Moi, c'est l'héroïne, je voulais, c'était un bon buzz. Puis ça coûtait, tu sais, 300-400 piastres le gramme. Ça, je faisais 1 gramme par jour. On était rendu à 1 vol de banque par semaine. Ça avait plus d'allure. Puis on voulait pas... Moi, dès que j'étais en sevrage, là, tu sais, j'avais tout épuisé, puis brûlé mes ponts, puis épuisé mes ressources financières. Puis j'avais plus personne à voler, puis rien à voler chez plus personne. Puis... Bon, je retournais faire une banque parce qu'il n'était pas question que je sois en sevrage, je sois malade, puis que je. Puis j'avais pas l'intention d'arrêter. Tout le monde me demande la question, pourquoi tu as fait. Tu sais, la réponse m'est venue comme. J'étais en thérapie, j'ai vu des psychologues, j'ai fait un an à Portage. Puis tout ça, ça m'a jamais aidé à trouver le pourquoi. Puis un jour, je parlais avec Georges, mon chum, puis. Qui lui aussi faisait la même vie que moi, tu sais. Puis ça nous est venu la réponse comme une élimination, là, tu sais, comme. Et c'était quoi? C'est simplement, c'est bien simple, c'est niaiseux, c'est que on était. En tout cas, en ce qui me concerne, pour ma part, j'étais simplement. L'être humain m'avait beaucoup déçu. J'étais déçue de l'être humain. With heroin between us, my tender, difficult one, being your mother was painful and demanding. But it can be learned. Because of drugs, you fought me. Because of drugs, I fought you back. You would provoke me with your passion for danger, for this unknown thing that turned you into a stranger. Heroin possessed you. You are not the same when you cast yourself adrift. While night and day, I wait for you. And then you return. Your hands stroke my cheeks, my hands on your knees, open, waiting. Our silence, our tears, and our secrets revive the love we thought was lost.
Parents speak proudly of their daughter, the physician, the ethnologist, the notary, of their son, the executive, the architect, the writer. I think of you with the same pride. My daughter, the chunky. My daughter, the hooker. In your name, and in the names of those like you, I appeal to the parents of young people victimized by drugs. Before heroin, before cocaine, we loved these children as easily as the others. And then we had to learn to love them differently. Addicts are condemned to shame and silence. Disempowered, they have no voice to speak with. We, who know them, who have seen their ravaged bodies, witnessed their delirium, their struggles, their withdrawals and their relapses, their isolation in the city's wasteland. We who know their pain, their distress. Together, we must speak out on their behalf. Insist on their right to health, to dignity and to compassion, on their right to life. Speak out against a war where the victims are pronounced the criminals. Speak out against a prohibition that solves nothing, that is killing our children as it enriches the drug lords protected by our laws. We must break the silence in the names of Guillaume, Chaton, France, Christian, François, Karen, in your name, Yann, my vanished one. You spoke to me about your friend Pops. He has become my friend. With him, I talk to young runaways while admiring their tattoos. I saw bodies thin as rails, punctured by needles and abscesses. I spent time in shelters and shooting galleries. I saw young, beautiful people, victims of a massacre. I saw them in Montreal, hanging out by arcades, in vacant lots, in the streets. I saw them in Paris, Geneva, Brussels. I saw them better cared for in Zurich and Amsterdam. And always, when I was with them, I felt the limits of my profession. Not everything is fit to be shown. Suffering is obscene when coldly exposed and taken out of context. Images can become misleading, lying clichés for voyeuristic eyes. You had been gone for 3 weeks when I saw you here, near l'Hôpital Saint-Luc and the Bristol Hotel. I hugged you. I didn't understand. I wanted to bring you home, but you were rushing off. Someone was expecting you. Only later did I ask myself, was it a dealer or a John? The love between mother and daughter, the richest and the most perilous love of my life, rich in complicity and rivalry, marked by tenderness and violence, mutual expectation and disappointment. We wish to be like our mother, and yet we deny her. We see ourselves in our daughter, and we're afraid. You were so like me, my free-spirited child. We talked a lot, and never enough. We hugged tenderly, we fought bitterly. We loved each other. I miss you terribly. I want to see you, to hear you. But what I miss most is the feel of you. Your skin, your arms, your back, your lovely slender neck, cradling your head on my lap, stroking your temples the way you liked. You would close your eyes, soothed and trusting. Life would have meaning. Good night.
Sweet dreams. Sleep tight. Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré dans le carré Saint-Louis un loup des steppes, là, un homme mystérieux qui correspondait tout à fait à la description du junkie parfait, là, t'sais, plein de tatous, la barbe, les cheveux longs. Là, t'sais. Je me suis dit aïe, aïe, aïe. Puis là, il est venu s'asseoir à côté de moi. Puis là, il a dit que j'étais la plus belle créature qu'il avait jamais vue. Là, j'y ai dit merci. Beaucoup, tu sais. On m'avait jamais parlé comme ça. Puis là, ben, je suis restée avec lui pendant 5 ans. Mais restée, je me sentais utile avec lui, parce qu'il disait qu'il pouvait pas vivre sans moi. Puis, tu sais, bon, j'étais bien naïve un peu, parce que. Puis, il voulait pas que je touche à la dope. Okay. Puis, moi, au début, je voulais pas y toucher non plus, puis je me disais, si j'en prends, je pourrais pas l'aider. Mais là, à force qu'ils me disent qu'il allait arrêter, puis qu'il arrêtait pas, puis que je voyais que ça s'améliorait pas, mais là, j'ai commencé avec lui. Puis... Okay. Puis qu'est-ce que ça te faisait? Quel sentiment ça te faisait quand tu prenais de la drogue? Bien, c'est ça. J'avais l'impression que c'était un remède. Tu sais, c'était essentiel pour vivre. Tu sais, je me disais ça, si les diabétiques ils prennent de l'insuline, ben moi, il faut que je prenne de l'héroïne, parce que... Ça te soulageait de quoi? Ah! Ça m'enlevait cette espèce de... de poids que je sens tout le temps, tu sais. La première fois, j'en ai plus, je me suis dit, ah, j'arrive chez nous, tu sais. Mais là, c'était comme. Je sais pas, c'était. C'est comme les vampires, dans le fond, ça laisse les marques comme les vampires. Ça te possède. Ça. Tu fais n'importe quoi, t'es hypnotisé. C'est la même affaire, c'est une possession, tu sais. C'était ma religion, tu sais. Je disais, depuis que certains peuples du passé ont fait du crocodile une divinité, moi, j'hésite pas à afficher ma religion, la sainte morphine, avec un défilé d'anesthésistes de barbus et de dealers à bicyclette, tu sais. C'était comme... Je me croyais, tu sais, je me prenais vraiment au sérieux. Dans ce que tu as vécu, à travers la prostitution, il y a eu le danger, mais il y a eu autre chose aussi. Ouais, ben il faut dire que j'ai été chanceuse, tu sais, je suis tombée sur des hommes gentils au début. Alors ça m'a donné l'habitude. Puis là, ben une fois que j'ai su qu'il y en avait quand même qui étaient méchants, parce que ça m'a pris du temps pour le m'en rendre compte, j'avais l'habitude. Alors mais tu sais, bon, la première fois, ben, c'est-à-dire c'était la fête de mon chum, puis on n'avait pas d'argent, mais à ce moment-là, je travaillais comme danseuse, mais la veille, on avait flobé toute ma paye. Puis là, il dormait, puis là, bon, elle allait se réveiller, je voulais qu'il y ait son être prêt, puis tout ça. Alors, j'ai été. Puis là, ben, je suis tombée sur un homme très gentil qui m'a tout de suite donné pas mal d'argent pour moi à ce moment-là. Puis là, j'étais, aïe, aïe, c'est facile, tu sais. Puis j'ai commencé petit à petit à avoir. Tu sais, c'était vraiment des hommes, tu sais, bon, j'étais la petite fille, tu sais, qu'il faut s'occuper, puis en même temps, ils me comptaient leurs problèmes, puis... Et avais-tu l'impression de leur apporter quelque chose? Ben c'est ça, parce que, tu sais, dans le fond, je les aimais, tu sais, je sais que c'est dur à croire, là, mais je pense souvent à beaucoup de certains, parce qu'il y en a que j'étais avec pendant 3 ans, à peu près, vraiment réguliers, tu sais, que je les voyais toutes les semaines. Puis, tu sais, ils m'ont pas abandonné quand je suis devenue maigre, puis maganée, puis ratatinée, puis, tu sais, ils ont continué à s'occuper de moi. Puis moi, tu sais, comment ça se passe avec ta vie, puis... tout ça, tu sais, puis ils oubliaient un peu, tu sais. Je sais pas, ça leur faisait un peu d'aventure aussi, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai embarqué dans des histoires, tu sais, puis les déménagements, puis ils débarquaient chez nous, il y avait plein de monde, puis qu'est-ce qui se passe. Puis il y en avait toutes sortes de, tu sais,
Il y avait des hommes très attachants, tu sais, qui avaient besoin d'un peu de légèreté aussi, tu sais. Puis de... De fantaisie? De, ouais. Parce que, tu sais, mon appartement, c'était un peu comme la caverne d'Ali Baba, bon, au début, parce qu'après ça, c'était plus trop beau, là. Mais au début, tu sais, parce que je faisais des dessins. Puis c'était de loin, tu regardes, tu vois un chat, tu t'approches, tu vois une femme. Puis il y en avait partout, tu voyais pas la couleur des murs. Moi, j'étais là-dedans, puis je me promenais en dentelle. Puis, tu sais, j'étais heureuse. C'est pour ça que ça a pas marché que la première fois que je suis venue au Patriarche, parce que tout allait bien, tu sais. Je veux dire, j'étais pas... Je me rendais... Bien, tout allait bien. Ça allait pas bien du tout. Mais je veux dire, j'étais tellement gelée que je m'en rendais pas compte. Non, ça allait pas si bien que ça. Faut être réaliste. Ça allait pas si bien que ça. J'ai eu des mauvais moments dans cette période-là aussi. Mais tu sais, il y avait comme un Grec qui ne parlait ni français ni anglais, qui lavait de la vaisselle. Tu sais, il venait me voir, puis on se parlait par signe, tu sais. Je veux dire, tu sais, il y avait beaucoup de personnes aussi qui demandaient même pas rien, hein. Tu sais, juste un peu de tendresse, puis... D'affection. Oui, puis que je leur raconte des histoires aussi. Il y en avait un, c'était... En tout cas, il venait, puis il me demandait de lui raconter des histoires, puis... Si je racontais des histoires. Que tu inventais. Oui. Tu es resté en contact avec tes parents, toujours. Oui. Et comment? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu te sentais, toi, vis-à-vis d'eux? Ben, idéalement, tu sais, j'aurais voulu que pouvoir m'effacer de leur mémoire. Pour pas... Parce que j'avais une impression de fatalité, tu sais. Ils pouvaient vraiment rien faire. Je veux dire, c'est des parents extraordinaires. Je veux dire, j'ai pas l'excuse d'avoir été battue ou quoi que ce soit, tu sais. C'est vraiment... je veux dire, des parents, tu sais, ils m'ont jamais abandonnée. Je leur ai fait... j'ai même été très violente, surtout avec ma mère. Tu sais, je veux dire... je leur en ai fait vraiment endurer, tu sais, puis je disparaissais. Puis... Et lors de tes rechutes, tu avais un sentiment de les décevoir ou... Ah, oh, ça... Mais là, c'est ça, c'est parce que c'était encore pire à chaque fois, parce que, tu sais, moi... En plus, je me mettais à paranoïer, tu sais, je voyais mon père partout, tu sais, quand tu sais, je faisais du pouce, puis je voyais mon père dans toutes les autos qui passaient. Effectivement, c'est arrivé qu'il était dans des autos, puis qu'il me voyait comme ça. Tu sais, puis là, tu croises son regard, puis aïe, aïe, aïe. Une fois, il est débarqué, j'avais une bouteille dans un sac en papier, il a jeté la bouteille, il m'a pris dans ses bras. Après ça, je me suis dit, ça y est, je me suicide. Alors là j'ai essayé, ça n'a pas marché, parce que je devais pas vouloir vraiment. Mais, tu sais, j'avais vraiment l'impression d'être un monstre. Tu sais, vraiment, je m'haïssais, puis... Tu écris. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te permet de libérer certaines choses? Ah oui, parce que sans ça... disons, à un moment donné, j'ai perdu un bébé, puis là, je voulais mourir, puis, tu sais, je suis un peu... comment qu'ils disaient, les psychiatres histrioniques, ou je sais pas. Tu sais, je me suis dit, bon, je vais écrire un roman avant de mourir pour que les gens se souviennent de moi. J'ai commencé à écrire ça, puis ça m'a fait rire, tu sais, parce que en écrivant, tu sais, je réalisais que je suis vraiment drôle, dans le fond, tu sais. Oui, c'est plein de petits épisodes, mais c'est parce que ma vie est pas bonne à raconter, vraiment, parce que, tu sais, j'ai été à Chip, j'ai été ici, là, ça a pas de fil conducteur. Tu sais, on pourrait pas croire que c'est toute la même personne, tu sais. Alors, pour que ça fasse un bon roman, j'ai essayé, là, tu sais, de mettre de l'ordre là-dedans. J'ai pris quelques journées. J'ai transformé ça pour... c'est ça, pour qu'elle s'en sorte. Parce que moi, je pensais pas que j'allais m'en sortir. Puis je voulais pas la faire mourir non plus. Il y a un poème aussi que tu as écrit. Sur une prostituée. Oui, ça s'appelle la Sainte Pute. Ça dit, venez voir la dernière femme de la rue et de toutes les rues. Et elle était belle.
Venez attraper celle saint avant qu'il tombe. C'est votre dernière chance de poignarder un désir dans le dos. Venez la voir, venez voir la sainte pute. The murderer is there in front of me. Locked inside his cursed memory are the final moments of your life. Your life that skidded between plenty and want. On the night of the crime, he went dancing, and then he had a nap and something to eat a few hours before killing you. And then he went on with his life, deaf to your cries, which still pursue me. Let me go, please, let me go. The jewelry you were wearing that night was found at his place. It was handled, photographed, numbered, put into bags and presented as mere evidence. Exhibit P13. Your jewelry became anonymous, as if it had never been yours. Jan, my plundered one. J'ai constaté qu'il s'agissait du corps bien conservé d'une jeune femme de race blanche. Bonne constitution physique. Assise près de la fenêtre, elle faisait des mots croisés. J'ai aperçu une femme étendue par terre dans un garage. Elle s'exprimait bien. Et elle lisait souvent. Mais elle venait souvent au restaurant. Mais c'était une journée de belle lumière. Je stationnais l'auto au coin de René Lévesque. Je prenais le numéro de licence. Il ne portait aucun bijou. Elle était toujours seule. J'ai aperçu une femme étendue par terre. J'ai entendu une femme qui... Elle n'était pas comme les autres. T'es toujours seule. C'était froid, mais c'était... On allait aussi à l'hôtel Bristol, au motel idéal. Je passais mes nuits avec elle. Avant d'aller danser à la salle polonaise. Elle n'était pas comme les autres. Your chains, crucifix, rings and bracelets only took on meaning in the loving hands of Claude and Stéphane, who came to identify them, to touch them with love and respect. On the evening of October 17th, your father and I had dinner with Claude. We spoke of you, anxious for you to come home. At 3:30 in the morning on October 18th, a few hours before your death, Stéphane saw you go by the restaurant where he was working. You were walking towards St. Denis Street on your way to meet the one who was to become your assassin. I had known that relapses are part of the healing process. The medical workers at $4,000 a month don't talk about it. A psychological predisposition, an imbalance of endorphins, they don't talk about it. If only I had known, Jan, my midnight sun, I could have lightened your burden of shame. I already felt that your acting out had nothing to do with vice or sin, that you were not using drugs for pleasure or sensation, but to dull the edges of your pain. Jan, my tender warrior, danger fascinated you. You were drawn to the forbidden, yet it was there to bring you back, to keep you within the norm. But you, like the kite, you wanted to go farther, higher, elsewhere. You wanted to enter the unknown, to placate your demons while stifling your cry. Let me go. Laissez-moi partir. C'est très long et très difficile de sortir de la toxicomanie parce que ça implique un vrai changement de vie. Alors il y a bien sûr
quantité de difficultés personnelles, psychologiques, mais il y a aussi une difficulté quant à savoir qu'est-ce que les gens qui sortent de la drogue, qui ont vécu dans un monde parallèle, vont pouvoir trouver dans le monde qui les attend, dans le monde dit normal. C'est que certains ont vécu dans un monde où ils étaient des grands aventuriers, où ils étaient parfois des leaders, où ils étaient parfois même dans le proxénétisme, dans le vol, dans des activités tout à fait illégales. C'était quand même des caïds, des chefs, et qui gagnaient énormément d'argent, même s'ils le dépensaient dans la journée. Et réussir à condescendre, à faire des apprentissages, à travailler tous les jours, à se lever le matin d'une manière routinière pour gagner 10 fois moins que ce qu'ils gagnaient avec des activités illégales, c'est bien sûr un très long chemin et presque au début des moments d'humiliation pour les personnes. Le chemin thérapeutique ensuite va être souvent très long et va se compter encore en années. Il faudra plusieurs rechutes avant qu'il y ait une maturation suffisante pour que les gens se décide vraiment à changer de vie. Pour certains jeunes, notre monde, le monde des adultes, n'apparaît pas assez attrayant, pas assez excitant, trop banal, pas assez sensationnel pour qu'ils aient envie d'y aller. Et on peut se demander aussi si la recherche ultime, à travers la prise de risque, d'un accès au sacré, à travers la prise de drogue aussi, d'un accès à un ailleurs, ne vient pas montrer comment parfois les adultes, les parents, les professeurs, les éducateurs sont vécus comme insatisfaisant, comme détenteur de valeurs qui ne seraient pas suffisantes, comme trop commun, pas assez extraordinaire. Contrairement à ce qu'on croyait au début, les toxicomanes, comme beaucoup de jeunes, prennent de la drogue, non pas malgré le fait que ce soit interdit ou le fait que ce soit dangereux, mais parce que c'est interdit et parce que c'est dangereux. Et c'est parce que ces jeunes éprouvent le besoin de transgresser la loi à un moment et de prendre des risques, qu'ils en viennent à prendre de la drogue la première fois. Je pense que la plupart des spécialistes de l'adolescence, par exemple, recourent à ce qu'on peut appeler la métaphore initiatique, la métaphore du passage, font la comparaison avec les initiations des sociétés traditionnelles. Or, dans les initiations de toutes les sociétés, il y a une part d'épreuve, il y a une part d'épreuve potentiellement dangereuse, à travers laquelle le jeune va montrer sa capacité à survivre, son courage, ses qualités personnelles, sa valeur. Mais à l'issue d'une initiation, le jeune accède aussi au secret du groupe et au sacré du groupe. Et dans cette démarche des jeunes d'aller voir de l'autre côté, d'aller voir du côté sombre, d'aller voir là où les adultes ont l'air de ne pas savoir ce qui se passe, il y a sans doute une recherche très profonde qui peut être une recherche de spiritualité et peut-être l'envie de toucher au sacré, l'envie d'aller voir si le vrai sens, si les vraies réponses sont pas dans ce qu'on leur a caché jusque-là. Je pense que la question de la mort se pose de façon très aiguë dans nos sociétés parce que on pourrait dire qu'on est dans une société où la seule valeur qui subsiste, c'est l'individu et c'est la vie. Et que toute la société, toute la médecine va faire comme si la mort était le mal absolu, était quelque chose d'inadmissible. Alors que si on veut travailler à une prévention des risques, si on veut travailler à maintenir la santé, il faudrait sans doute arriver à promouvoir l'idée d'une mort naturelle. Or, on est dans une société où la mort est en quelque sorte complètement évacuée. On meurt toujours de maladies, on meurt toujours d'accidents. L'idée de mourir naturellement est quelque chose qui a disparu. La mort est devenue l'équivalent du mal. C'est très choquant de voir des jeunes qui représentent à la fois la santé et notre avenir et l'avenir de la société donner cette impression qu'ils se détruisent, qu'ils maltraitent leur corps et qu'ils risquent sans arrêt de mourir. C'est la manière la plus violente qu'ils peuvent avoir de nous interpeller, c'est de jouer sans arrêt avec la vie et la mort. Peut-être parce que, comme nous vivons la mort comme le tabou absolu, ils se disent que c'est là que se trouve le secret et le sacré, puisque c'est la dernière des choses dont on veut leur parler.
C'est évident que les gens qui s'en sortent après avoir vécu pendant des années dans le monde de la drogue vont avoir vécu des choses qui vont rester extraordinaires, qui vont marquer leurs souvenirs, sans doute pour le restant de leurs jours, des éprouvés par rapport à la drogue, mais aussi des vécus extrêmes au niveau de la vie quotidienne. Et c'est impossible de travailler avec l'idée qu'on va leur faire oublier ça et repartir comme si rien n'avait été. Au contraire, il est probable que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui arrivent à utiliser toute cette expérience pour en faire quelque chose. Et ça pourrait être l'achèvement d'une quête. Ça pourrait être là qu'ils trouvent le sens de ce qu'ils cherchaient, un certain sens de la profondeur de leur démarche. Et en général, ça se traduit par l'envie qu'ils peuvent avoir d'utiliser ce vécu, d'utiliser ce savoir pour aider les autres, pour en faire quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'on travaille souvent avec des anciens toxicomanes, non pour qu'ils oublient ce qu'ils ont été, mais pour qu'ils utilisent leur vécu pour aider les autres à traverser le même chemin, pas pour empêcher les autres de le faire. I think of the last summer you spent with us in the country to protect yourself from harm. You promised me grandchildren. I asked to be with you at their birth. You promised to be with me at my death. We shall never fulfill these promises made with so much hope. Jan, my survival, my lineage extinct, you left my womb to die. It was then that you spoke to me about the legalization of drugs. But, like most people, I had never thought about it seriously. You taught me about genuine tolerance, the kind that reaches beyond words and conventions. You said prohibition of drugs attempts to standardize people, while tolerance attempts to normalize using, to lift the victims out of crime and horror. You were right. It's absurd to think that intolerance will stop drug abuse, this growing urban epidemic. Heroin did not kill you. The price of heroin did. Controlled by powerful drug lords, protected by powerful lawyers who seldom become users. Sometimes I catch myself dreaming that this lost war is over. Oh, Jan, my tolerant one. What if peace were to break out? Particulièrement lié à ma vie aussi, parce que il était le grand copain de mes enfants, ouais. Leur enfance puis leur adolescence. Est-ce que tu as des souvenirs d'eux, enfants? Beaucoup. J'ai principalement des souvenirs d'eux, enfants. Sa rue Hartlin, au ballon chasseur, puis tout ça. Tu vivais à la maison, toi, Oui, je vivais à la maison. Et... Je me rappelle même de ta fille qui était assez fatigante parce qu'elle voulait tout le temps jouer avec nous autres. On était plus vieux qu'elle, ça nous emmerdait un petit peu. J'ai des souvenirs de ça. Après ça, j'ai une période d'un petit peu plus perdue dans la brume. Moi, j'étais ailleurs, j'étais parti. Et je suis revenu juste sur les derniers moments. T'sais. Mm-hmm. Il y a une espèce de période brumeuse. Et puis j'avais recroisé ta fille, je pense peut-être quoi, un an avant qu'elle parte, elle aussi. C'est à peu près dans la même période. Quand tu as plusieurs façons de faire ton deuil, ça se fait jamais un deuil, de toute façon. La seule façon de le faire, ça serait que tu sois pas mort, ça, c'est certain. Mais pour... t'essayer de rattraper d'autres choses, je crois. C'est pas...
C'est pas de la prévention que je fais. Je pense que le refuge est comme un petit peu devenu mon petit frère. J'ai un beau petit frère comme ça. J'aime bien ça, tu sais. C'est pour ça que je travaille là. Puis c'est pour ça que j'ai envie et besoin de le faire. Guillaume, il avait quel âge quand tu es là? Il avait 20 ans. Cette criminalité dans laquelle on les place par la prohibition, puis la guerre à la drogue, quelle est ton attitude, toi, par rapport à ça? Ben moi, je trouve ça un peu... ça m'emplit de répulsion. De trouver que, tu sais, je me dis, bon, c'est évident que le jeune, il s'enfuit dans la dope. Je l'ai fait pas mal, moi aussi, quand j'étais jeune. C'est pas une bonne solution. Oui, oui. Mais c'est aussi c'est pouvoir réussir à sourire une fois dans ta crise de journée aussi. Mm-hmm. Quand t'es mal partout, tu changes de place, puis t'es mal à l'autre place aussi, tu sais pas quoi faire. Moi, tu fais de la dope, puis ça te donne un smile d'en face. C'est très, très tentant de tomber mm-hmm. là-dedans. Alors, c'est pas que je suis d'accord avec la dope. Je sais que c'est excessivement dangereux. Je connais toute la bebelle, on est placé pour le savoir, nous autres. Mais l'attitude de la société d'interdire ça, c'est comme d'interdire le malheur. Tu peux pas interdire d'être malheureux, tabarnak. Tu fais ce que tu peux pour t'en sortir, tu sais. Mm-hmm. Tu peux pas interdire d'être malheureux. Puis ça, je trouve que c'est une façon aussi de pas les écouter. Tu les criminalises comme ça. Tu leur dis qu'ils sont des criminels. La dope est un bon chemin aussi pour le désespoir si t'as pas envie de vivre, mais t'as pas envie de mourir. Tu sais pas exactement trop quoi. C'est la zone entre les deux parfaite, ça. Mm-hmm. Si t'as pas le courage de te suicider aussi... Guillaume était pas le style à se suicider, à sauter en bas du pont. Mais il allait danser sur le bord toute la petite journée, tout le temps. Il faisait ça tout le temps. Puis effectivement, il a fini par tomber du mauvais bord à un moment donné. Alors, ça sert à ça. Et nous autres, à place de voir toute la difficulté là-dedans, puis de voir toute l'horreur d'une situation comme ça, on est mieux criminaliser ça sans laver les mains et se retirer de ça. Sauf qu'à un moment donné, on en paye les conséquences à faire ça. Parce qu'à un moment donné, si l'autre part, là, c'est toi et la marde, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à leur offrir, justement? Ben, tu sais, c'est pas compliqué, un être humain, dans le fond. Une oreille puis un gros cœur, ça a de l'air qu'éterne comme formule, mais c'est ça. Puis c'est ça qu'ils ont besoin, dans le fond. C'est juste qu'ils te croient pas quand tu dis que tu l'as dit. Qu'est-ce qui me veut, dans le fond? Les gens qui m'ont dit qu'ils m'écoutaient avant, ils venaient tout le temps chercher d'autres choses chez moi, là. Alors, de dire aux jeunes... Oui, c'est ça, le mouvement gratuit. Dire aux jeunes, tu peux venir si tu veux. Et toi, justement, ta musique, est-ce que ça peut être une façon de crier ta rage, ta colère? Ah oh, ben oui, ça c'est bien évident, mais je veux dire, en fait... Et ton amour aussi? Oui, tout ça, tout ce qu'un être humain a à dire de fort. Alors, j'ai des tunes, j'écris des chansons fortes, pas bonnes nécessairement, des fois c'est mauvais, mais c'est fort, ça parle fort, tout comme les affaires, j'ai besoin de parler fort. Alors, ça dit de la rage, ça dit de l'amour aussi, ça dit un paquet d'affaires. Dieu merci que j'avais le style de musique, parce que, à part la musique, moi j'avais la dope. Je sais pas ce que je vais faire avec mes enfants, moi je vais faire le mieux que je peux. Ça, faut se dire ça, même dans une catastrophe épouvantable. C'est évident que si tu te fais un flashback, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, oui, j'aurais pu. Mm-hmm. Si j'avais su qu'il se passerait quelque chose comme ça, je l'aurais assommé, je l'aurais gardé dans les placards pendant 10 ans sans qu'il sorte, t'sais. Mais bon, ça marche pas comme ça. Alors, quand un enfant meurt de désespoir, c'est pas à cause d'un manque de liberté ou de trop de liberté. C'est à cause de choses vraiment épouvantables que cette personne-là a quelque part. On sait pas d'où ça vient, on sait certaines affaires, il y en a d'autres qu'on ne sait pas. Tu sais, quelqu'un a toujours une vie secrète par rapport à nous, hein. La dope, ça remplit ton univers, hein. Bon, ça le remplit de choses épouvantables aussi, mais au moins, c'est full. Moi, bon, je suis lâché à la dope, mais je bois encore. Puis je vais te dire, moi, la trouille... Des fois, j'ai envie d'arrêter de boire, mais je me dis... J'ai peur d'être drabe, d'être plate un peu. Puis j'ai des chums qui, effectivement, ça leur est un petit peu arrivé. Mon chum Doré, lui, il dit que non, il dit les gens que je connais qui étaient drabes avant sont drabes après, ça n'a rien à voir. une addiction, tu l'arrêtes jamais, ça n'existe pas. Tu la remplaces, un point, c'est tout. N'importe quelle crise de centre de désintoxication va te le dire. Ah, il y en a, c'est petit Jésus, il y en a, c'est d'autres choses, il y en a qui deviennent thérapeutes. Alors, ils continuent à passer leur vie à parler de dope. Ils sont dans dope encore, mais ils en font pas. T'sais. Au moins, ils construisent à la place de détruire. Alors, mais tu remplaces toujours par quelque chose. Une addiction, ça reste. Puis quand t'as une mentalité addictive, je crois que c'est pour la vie, ça. Je te remercie, Dan, puis bonjour. Je te remercie. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Ah. Merci. Généreux. Ça fait plaisir. Mm-hmm.
Our children deserve more than silence, shame and contempt, with death as a bonus. They deserve our love and access to the sacred. For you and with you, Jan, my beloved, I will continue my quest. I have no answers. Disturbing questions replaced my old certitudes. I risk the discomfort of doubt. I choose to trust. To those who speak to me of you, my daughter, my descendant, I would tell them that you were the iceberg at dawn. I could see the Arctic ice floes, immense and luminous, eternal eyes, free and immutable. These images obsessed me. I did not know why. It was your memory that conjured up these images. The ice floe breaks away from the glacier. The iceberg breaks away from the ice floe and floats down towards a place of transformation. I saw them superb and majestic, radiant in the sun. 12,000 years of ice melting back into the sea. I grow old before my time. You were my youth. Your death reshuffles the order of things. I should have gone before you. Your death foreshadows mine. In mourning you, I have learned to live with your death, and I'm learning to live with my own. I accept hearing and listening to your cry. Let me go, Mama. Let me go. I must let you go. Stop holding you back. My heart must acquiesce, my body surrender. You must leave my wounded kite and fly towards infinity. I listen. I hear you. I release you, Jan, my northern light. I let go. I let you go, mon amour.